Il fait beau aujourd'hui, on peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais ici, les bouleaux ne sont pas encore en fleurs. Voici 11 ans. Père recevait le commandement de sa brigade et quittait Moscou avec nous. Eh bien, je me souviens parfaitement qu'à cette époque, au début de mai, à Moscou, tout est fleuri. Il fait doux, il y a plein de soleil. Mon Dieu, 11 ans ont passé et je me souviens de tout comme si c'était hier. En me réveillant ce matin, j'ai vu toute cette lumière, j'ai reconnu le printemps, la joie a rempli mon cœur. Et j'ai éprouvé un désir passionné de retourner dans ma ville natale. Cours toujours. Évidemment, des bêtises. Voyons, Macha, cesse de siffler. Comment peux-tu? À force de passer mes journées au collège et de donner en plus des leçons jusqu'au soir après les classes, j'ai constamment mal à la tête. Et mes pensées sont celles d'une vieille fille. Oui, en vérité, depuis ces 4 années que je travaille à l'école, je sens comme chaque jour, goutte à goutte, s'en vont mes forces et ma jeunesse. Et seul mon rêve grandit et se précise. Partir pour Moscou, vendre la maison, en finir avec tout cela et à Moscou. Oui, à Moscou, au plus vite, à Moscou. Notre frère sera sûrement professeur. Il ne va pas rester ici. Il n'y a que Macha. Macha viendra chaque année à Moscou pour y passer l'été. Avec l'aide de Dieu, tout s'arrangera.